Donc c'est la dernière table de ronde, non, table ronde tout court. Alors petit message des organisateurs avant de commencer, ceux qui auraient oublié d'émarger, si vous voulez bien le faire avant de partir, ça nous serait très utile, notamment pour savoir en fait à qui on, voilà, qui est dans la salle et pour qui on fait ces événements et comment on doit travailler nous. Donc ça nous est bien utile. Voilà, c'était le premier message des organisateurs. Deuxième message des organisateurs, à tous les intervenants, si vous voulez bien partir en signant vos autorisations de session de droit pour qu'on puisse diffuser les présentations et puis venir me voir pour que je puisse vous donner des fiches de remboursement de frais. Voilà. L'organisation est maintenant terminée. Donc, cette dernière table ronde, nous allons interroger les pratiques collaboratives. Donc, je suis ravie puisque, en fait, on a quand même trois profils tout à fait différents sur cette table ronde. Donc, Vanessa Eke, qui est en visio, mais qu'on voit bien, qui est botaniste. David l'a dit, elle travaille à l'Institut de recherche pour le développement. Elle a travaillé donc pendant 25 ans sur différentes flores tropicales et elle vient de rejoindre l'équipe de PlanteNet, que vous connaissez peut-être pour certains, et qu'elle vous présentera depuis un peu moins d'un an, avec pour objectif d'améliorer notamment les communautés de collaboration. Sur scène, à ma gauche complète, nous avons Lucas Lévesque. Lucas Lévesque, il est contributeur des projets Wiki, alors les projets avec les différents satellites, mais dont il va nous parler depuis 2012. Très très impliqué bénévolement depuis 2014 et depuis 2019, il a lancé sa propre activité qui aide notamment les institutions à la formation à l'usage de tous ces projets Wiki, l'accompagnement des projets de valorisation numérique également. Et il est formateur et intervenant à l'ENSIB et à l'École du Louvre. Et à ma gauche, tout de suite, Philippe Rassaert, qui est lui à la BML, la Bibliothèque municipale de Lyon, depuis 2000. Il a travaillé au service des éditions et expositions, à la documentation régionale et au fonds Vatien. Il a intégré, enfin, il a réintégré hein, une nouvelle fois la documentation régionale en 2012, où il est plus particulièrement en charge des collections photographiques régionales et du projet qui nous intéresse aujourd'hui, Photographe en Rhône-Alpes. Alors là, la grande difficulté de mes trois intervenants, et ils le savent, et dans la salle, vous pourrez faire des gros yeux énormes, ils n'ont que 7 minutes chacun pour nous présenter leur projet. Et ensuite qu'on puisse échanger autour de ces projets de manière transversale, puisque c'est un peu l'objectif de cette table ronde, c'est de confronter leurs usages, leurs pratiques à chacun, leurs questionnements, leurs doutes, leurs réussites et leurs moins grandes réussites, et le chemin qui reste à parcourir. Donc immédiatement, je vais laisser la parole, alors on s'était dit à Photographe en Rhône-Alpes, si Philippe, ça te convient de commencer. Et donc tu as 7 minutes top chronos, donc à Pour présenter le 15h36, projet. il faudra que le projet soit clair pour l'ensemble de la Je salle. donne le top alors. C'est parti. Le projet Photographe en Rhône-Alpes, qui est aujourd'hui accessible sur Internet hein, via notre bibliothèque numérique Numélio, il a été créé et lancé en 2010 suite à un appel à projet du ministère de la Culture, auquel on avait répondu et qui a permis d'obtenir d'importantes subventions. Grâce auquel on a lancé la numérisation et l'externalisation de la numérisation de trois fonds d'importance, à savoir le fonds Jules Sylvestre, le fonds Vermard et le fonds Marcel Vallet, qui sont trois fonds photographiques très très différents et dont le plus ancien couvre la période 1850 à 1950 et qui est un peu le fleuron de la bibliothèque, hein, qui est donc le fonds Jules Sylvestre. Donc, ce sont que des fonds de photographie régionale, des fonds plutôt documentaires. Et c'est grâce à ces premiers embryons qu'on a créé donc le site Photographe en Rhône-Alpes, dans une double optique. D'abord, y mettre les collections qui sont conservées à la bibliothèque, hein, qui sont assez pléthoriques, puisque depuis, d'autres fonds sont venus se rajouter, d'autres dons, d'autres achats, etc. Et puis, d'autre part, très rapidement, on a lancé un appel à contribution, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à la population lyonnaise, à ce qu'on appelle des photographes reporters ou des photographes citoyens,
pour qu'ils viennent nous aider à compléter cette vision de la ville et cette évolution de la ville et du territoire grâce à leur photographie, puisque tout le monde, en fait, on partait du principe que à cette époque-là, bah, tout le monde se mettait plus ou moins à la photographie, hein, grâce notamment au smartphone, que c'était plus d'un coût excessif, qu'il n'y avait plus de développement à faire et qu'on avait immédiatement les images. Donc le projet arrivait plutôt au bon moment. Et donc grâce à ça, ben, on a réussi à avoir près de 300 contributeurs jusqu'à présent, dont une bonne dizaine nous suivent encore actuellement. Alors à des niveaux très très variables, hein, ça peut aller de une ou deux photos jusqu'à plusieurs milliers pour les plus les participants les plus motivés. Donc c'est plutôt des photographes amateurs, hein, pas forcément des photographes professionnels, bien qu'on en ait quelques-uns. Et voilà, donc le projet aujourd'hui, on en est à 100 000 photographies en ligne. C'est rien par rapport aux collections qui sont encore à ajouter et qu'on conserve ici à la bibliothèque, hein, puisque c'est même pas un dixième de ce qu'on serait capable de mettre, mais on retombe toujours sur les mêmes problèmes, notamment ceux qui ont été évoqués dernièrement, c'est-à-dire le problème de temps, le problème de, voilà, du temps qu'on y consacre. Et c'est, voilà, donc tout se fait en interne, que ce soit la numérisation de nos fonds, où la mise en ligne se fait exclusivement par la bibliothèque. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore de contributions et d'accès qui sont ouverts sur cette base photographique, bien qu'on y ait déjà réfléchi par le passé. On pourrait imaginer effectivement d'ouvrir certains accès sur certains champs qui sont, par exemple, des champs non normés, titre, l'auteur, parce que c'est la personne qui a fait les photos qui va les mettre en ligne, sur certains champs de description, par exemple, ou certaines notes historiques, puisqu'on a la possibilité d'avoir des notes historiques également. Je suis dans le temps. Bon, carrément, il me reste encore 3 minutes, mais juste une question, parce que vous êtes combien sur ce projet-là en interne à la BML? Alors, sur ce projet-là, on est trois actuellement, mais on n'y passe pas tous le même temps. C'est-à-dire qu'on s'occupe aussi, on a aussi d'autres activités à la bibliothèque, hein, y compris moi d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien être à 100%, mais ce n'est pas le cas. Bon, il n'y a pas de message Oui. ici, hein. Christelle, tu te détends, tout va bien. Ouais. Et donc, merci beaucoup. Un autre projet collaboratif, Vanessa, que tu vas nous présenter, c'est celui de PlanteNet, une autre base de données, pas tenue par une bibliothèque, mais tout aussi intéressante. Je te laisse le présenter pareil, avec 7 minutes. C'est parti, parti. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire rapide. Donc, PlanteNet, c'est soutenu par un consortium de quatre instituts de recherche français que sont le CIRAD, l'IRD, l'INRIA, l'INRAE et puis la Fondation Agropolis. Et donc, ces instituts travaillent de concert pour essayer de maintenir une plateforme de sciences participatives. Donc, cette plateforme, elle est assez bien connue pour l'outil d'identification de plantes à partir de photos. Donc, est aujourd'hui relativement connue avec pas mal de gens qui l'utilisent. Et par contre, elle est un petit peu moins connue pour l'aspect plateforme de sciences participatives. Et c'est pour ça que voilà, on essaye aussi de communiquer un petit peu plus là-dessus, parce qu'il y a il y a toute une plateforme derrière qui est extrêmement importante pour la recherche et pour la conservation et qui est peut-être moins visible que l'outil en lui-même. Donc l'objectif de cette plateforme, tout d'abord, c'était de lever ce qu'on appelle le verrou d'identification des plantes. En fait, il y a à peu près 350 000 espèces de plantes aujourd'hui sur la planète. Et donc, évidemment, réussir à identifier toutes ces espèces et à les reconnaître, c'est quelque chose de très, très difficile, qui nécessite souvent d'avoir des connaissances particulières en botanique, avec un jargon qui n'est pas toujours très compréhensible. Ça nécessite d'avoir des bouquins qui parfois coûtent cher, de pouvoir lire des clés d'identification. Donc, du coup, l'idée, elle est venue d'un petit groupe de chercheurs qui avaient des compétences en informatique, des botanistes, et qui se sont dit, bah, nous, on va essayer d'utiliser les connaissances qu'on a en informatique pour faire un outil de reconnaissance des plantes. Et donc, le premier outil qu'ils ont développé, ça se basait sur des scans de feuilles. Alors, pourquoi des scans? C'est parce que c'est un format qui est assez standardisé, avec la même distance, le même éclairage. Et donc, ils réussissaient à reconnaître 55 espèces d'arbres
méditerranéen. Et donc, c'était déjà un succès à l'époque. Ils étaient très contents. C'était vers 2009-2010. Et donc, ça, c'était la première version, on va dire. Et puis, ça a suivi toute l'évolution de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies informatiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'application est capable de reconnaître environ 43 000 espèces un petit peu partout dans le monde. Donc, ça a été vraiment une évolution considérable et qui ne cesse d'évoluer, quoi. Donc le principe, c'est un petit peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que là aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on se dit, il y a énormément de gens qui sont des observateurs de la nature, qui ont des smartphones et qui produisent des données. Et donc en fait, on va utiliser les images qui sont produites par tous ces observateurs de la nature pour entraîner des modèles de reconnaissance des plantes. Et en fait, plus on a d'images, donc plus on a de gens qui participent au projet, mieux le modèle est entraîné, plus il va être performant. Et plus le modèle est performant, plus les gens vont l'utiliser. Et donc, plus ils vont produire d'images. Et donc, c'est comme ça que PlanteNet devient de plus en plus performant dans différents endroits du monde au fur et à mesure que les gens enrichissent ces bases de données. Et donc, ça nous permet, du coup, de produire énormément de données. Donc, énormément de données. Aujourd'hui, on a à peu près 20 millions d'observations qui sont enregistrées sur nos bases de données. On a plus d'1 milliard d'identifications, donc de requêtes d'identification qui ont été demandées à travers l'application. Et on a entre 400 et 600 000 utilisateurs journaliers qui sont recensés sur la plateforme. Donc, du coup, toutes ces données, on en fait quoi? Donc d'abord, elles sont accessibles sur le site sous divers formats. Donc bon, je vous invite évidemment à aller visiter le site, mais bon, on a des fiches qui recensent un petit peu, qui font des cartographies à partir de toutes les observations qu'on a pu récupérer. On peut faire des cartographies, on peut donner des informations sur la phénologie, à quelle époque est-ce que ces espèces fleurissent, à quelle époque est-ce qu'elles fructifient. Donc on va essayer de proposer aux utilisateurs un maximum d'informations qui peuvent aller glaner par pays, par genre, par espèce, par famille. Bon, donc cette donnée, on la donne à nos utilisateurs de manière à ce qu'ils puissent enfin, améliorer leurs compétences. Elles sont versées au GBIF. Donc le GBIF, c'est une plateforme internationale d'accès aux données sur la biodiversité. Donc c'est des données qui sont accessibles gratuitement pour les chercheurs, entre autres, et qui vont permettre donc de faire des études, entre autres sur la biodiversité, sur la conservation. PlanteNet, nous sommes aujourd'hui le cinquième producteur de données de plantes via le GBIF. Et donc, nos données ont été utilisées et ont donné lieu à environ 500 publications scientifiques. Donc, ça peut être utilisé, les données, elles peuvent être utilisées de différentes manières. Donc, ça a exploré aussi sur le site. Mais par exemple, on a des collaborations avec l'île de la Réunion qui a un gros problème d'espèces envahissantes. Et donc, la Réunion nous demande de leur donner les informations sur une liste d'espèces qui posent problème chez eux, qui ne pourraient pas pouvoir suivre simplement avec les personnes qui travaillent pour l'environnement sur l'île. Donc, nous, on profite de toutes les données qu'on a recensées à travers l'application pour leur donner de l'information localisée sur les espèces envahissantes qui posent problème. Et donc, à partir de ça, ils vont pouvoir faire des programmes de lutte contre les espèces envahissantes. Nos données, elles sont évidemment utilisées pour faire de la recherche et pour améliorer toujours ces modèles d'identification. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part parce qu'on n'a pas le temps, d'autre part parce que c'est très très loin de mes compétences, mais en tout cas, on a des chercheurs qui sont au top de la technologie de l'intelligence artificielle et qui travaillent en permanence pour que ces modèles soient de plus en plus performants, entre autres en utilisant des objets variés, c'est-à-dire que là, un des champs de recherche sur lesquels on travaille, c'est de pouvoir utiliser les scans d'herbier. Donc, les scans d'herbier, c'est une quantité de données absolument énorme, puisque la plupart des herbiers internationaux aujourd'hui ont digitalisé toute leur collection. Donc, on est en train de voir si on ne peut pas utiliser ces images pour aussi augmenter la performance de nos outils de reconnaissance des plantes, sachant que là, on est sur de la plante sèche et nous, on reconnaît plutôt des plantes vivantes. Mais bon, voilà, c'est ce travail de recherche qui continue. Il y a d'autres petits outils comme par exemple une API qui va permettre d'intégrer notre modèle de reconnaissance dans une autre application.
Et puis, bah, des fonctionnalités que je vous invite à aller découvrir évidemment sur le site, comme GéoPlanteNet, qui va permettre, si vous définissez une aire géographique, de vous extraire toutes les espèces qui sont présentes dans cette zone géographique. Donc, ça, en termes de conservation, c'est pareil, c'est super intéressant, parce qu'à différentes échelles, évidemment, pour les gestionnaires d'espace, c'est intéressant de pouvoir avoir ces informations-là. Et puis donc, ben voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, cette grande quantité de données, évidemment, ça veut dire aussi une grande quantité d'erreurs. Donc, un des challenges aujourd'hui qu'on doit mettre en place, c'est de réussir à mettre en place des mécanismes de curation de données, sachant qu'évidemment, ce n'est pas avec un botaniste comme moi, mais ni même avec deux ou trois, qu'on pourrait réussir à traquer sur ces millions d'observations qui rentrent. Sur PlanteNet, c'est quasiment impossible de pouvoir suivre toutes les erreurs. Et donc là, on arrive un petit peu aux limites de ce qu'il est possible d'automatiser. Et donc, l'idée, bah, c'est de réussir à générer vraiment une dynamique de communauté qui permette aux gens de pouvoir facilement intervenir pour corriger, enfin pour nous aider à corriger les données, à faire des commentaires. Et donc ça, c'est des choses qui sont pas encore suffisamment en place au sein de l'application. Donc, on a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations, on fait énormément de choses, mais il y a encore pas mal d'améliorations et de choses qu'on pourrait, voilà, qui pourraient mieux fonctionner et faire en sorte que l'application produise encore toujours des données qui soient de meilleure qualité. Et donc, ben voilà, c'est pour ça aujourd'hui que moi, j'ai rejoint l'application et l'équipe de PlanteNet. C'est pour essayer justement de développer cette communauté. De botanistes amateurs et professionnels, pour pouvoir faire avancer tout ça. Merci beaucoup Vanessa. Du coup, avec les interventions de Philippe et Vanessa, vous commencez à entrevoir quels vont être les sujets des tables rondes, à savoir est-ce qu'on ouvre ou pas sa plateforme aux utilisateurs, comment on fait pour valider ces informations, quelles craintes on va avoir. Et du coup, on va aller découvrir les projets Wiki avec Lucas Lévesque, dont je m'excuse, j'ai oublié de dire que ton entreprise était Log Numérique, enfin, ta structure professionnelle. Le lug numérique. Voilà, le LUG, ah oui, pardon, comme Lyon et pas LUG, comme Bug, pardon, désolée. Décidément, je voulais que ça ne marche pas cette journée. Et aussi que tu as une chaîne YouTube qu'on peut aussi visiter. Voilà, erreur étant réparée. Donc, Lucas va nous parler des projets Wiki et aussi de ce que ça peut apporter au GLAM sans trop dévoiler ce que tu vas nous dire en 7 minutes également. Ouh là là. Merci de m'accueillir ici. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, très peu de temps, donc je vais être assez succinct. Wikimedia Commons est le sujet dans lequel je vais principalement parler aujourd'hui. Vous pouvez y accéder à partir de Wikipédia en descendant depuis la page d'accueil et ou sinon en cliquant sur une image depuis n'importe quelle page avec une image et vous avez un bouton. Plus de détails et vous arriverez sur Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est un site qui est apparu en 2004-2005, quand avant, quand on illustrait Wikipédia, quand on voulait la même illustration que la photo en anglais, on copiait la photo, puis on la versait sur la version en français. On démultipliait ainsi les images, bien, donc ça faisait du bois serveur. Et on a décidé de mettre en commun, d'où le nom Wikimedia Commons, tout ça à partir de 2005. Wikimedia Commons n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, la courbe est exponentielle. On a passé les 100 millions de fichiers sur le serveur ce mois-ci. C'est considérable, le 13. On est à peu près 40 000 personnes à contribuer sur Wikimedia Commons. Et donc, c'est environ 40 000 images par jour qui sont versées. Donc, on est sur un flux qui est considérable. Wikimedia Commons, ça représente, j'avais les chiffres là, voilà, ça représente mensuellement un minimum de 100 millions de vues. Pour quelque chose d'annuel, là, sur l'année dernière, on a fait 1,5 milliard de vues, mais on est sur Wikimedia Commons, donc c'est uniquement la médiathèque. Ça apporte énormément de visibilité, le simple fait d'être versé sur Commons, mais cette visibilité, elle est corrélée avec le fait de pouvoir trouver les images. Et pour pouvoir trouver les images sur Commons, on va avoir ce que j'appelle des portes d'entrée, un certain nombre de possibilités de trouver les images à partir de l'outil de recherche qui a été amélioré récemment. Il y a encore quelques années, il était assez brut et un peu pourri. En fait, il interprétait les images comme il voulait.
Et maintenant, il est beaucoup plus fin et permet notamment de pouvoir trier en fonction des formats des fichiers, parce que sur Wikimedia Commons, on a essentiellement de l'image, hein, ça représente presque 90% du contenu, mais on a aussi de la vidéo, du son, des fichiers présentation, des PPT, même quelques fichiers 3D et ainsi de suite. On accepte au total une quarantaine de formats libres, puisque c'est le principe du logiciel libre qui prime ici. Sur Wikimedia Commons, depuis des années maintenant, des institutions, GLAM, versent des collections, des fonds iconographiques. Vous avez en France qui ont versé beaucoup, j'ai à peu près 15 000 images, toute la ville de Toulouse, donc que ce soit la bibliothèque, le musée ou les archives de Toulouse ont versé à peu près 15 000 images dans deux grands fonds, que sont le fonds Truta et le fonds Eugène Truta et l'autre André Cros, dont je parlerai un petit peu, mais vous avez d'autres villes qui ont versé des fonds en France. Le plus grand fonds versé, les deux plus grands fonds versés sont ceux du RIC Museum. Vous avez le MoMA aussi qui en a versé un peu, et vous avez, enfin un peu, beaucoup quand même, et vous avez le Metropolitan qui casse les scores, littéralement, puisqu'il a versé 700 000 fichiers, et que vous avez une forte chance, notamment pour tout ce qui est l'art européen, que en fait, là, ce soit de l'iconographie issue du Metropolitan. Ça leur fait un certain nombre de millions de vues chaque mois. On parle de un truc comme 20 à 30 millions de vues. Là, j'ai les chiffres pour le Metropolitan Museum. Ça fait 73 mois qu'ils versent des fichiers. Ils sont à 388 000 fichiers images. Et ça a représenté, ces 73 mois, 1,946 milliards de vues sur Commons. Voilà, en 6 ans et un mois à peu près. Donc, ils en ont profité, ils ont vu le truc, tout le monde va sur Commons. Ils sont allés. Néanmoins, c'est pas ridicule. Enfin, les autres fonds, là, je peux vous parler des fonds des GLAM français. Le fonds André Cros, qui est un journaliste qui est décédé en 2021, qui avait versé tous ses droits d'auteur à la ville de Toulouse, qui a décidé de les mettre en licence libre, c'est 4 millions de vues en octobre de ce mois-ci, hein, de cette année. Donc, c'est pas rien. 4 millions de vues, c'est 6900 images et c'est 2300 usages sur les projets Wiki. Le fonds Eugène Truta, c'est 2000 images à peu près, c'est 700 000 vues pour 700 usages à peu près, donc ça fait presque 1000 vues par usage dans une page wiki. Le fonds Berthelet, qui est un fonds aussi important, qui est 2100 images, on a 200 000 vues. Mais à Lyon, j'ai regardé un peu, sur les archives municipales de Lyon, on est sur 700 fichiers versés, c'est beaucoup moins, mais on fait quand même 91 000 vues sur le mois dernier. Pour la bibliothèque municipale, c'est 1500 images et on est à 300 000 vues aussi. Et par comparaison, moi, j'ai versé un fonds professionnel d'une personne privée qui s'appelle le fonds Ruiz. C'est 160 images et seulement 8 usages sur des pages wiki, mais ça représente quand même 4000 vues sur le mois. Donc, en fait, assez rapidement, verser des images va apporter de la visibilité quasi instantanément sur à partir du moment où elles vont être trouvées et réutilisées sur les projets wiki. Wikipédia, c'est 2,7 millions de pages. Il n'y a pas 100 millions d'images sur 2,7 millions de pages, puisqu'il y a un traitement éditorial qui est fait d'un projet à l'autre. Pourtant, ces images sont beaucoup plus vues hein, sur Commons, ce qui veut dire en fait, qu'on a une masse très importante d'usages à l'extérieur des projets qu'on ne peut pas calculer. Et pour prendre un exemple, si vous allez sur la page Wikipédia de la Victoire de Samothrace, aujourd'hui c'est plus ma photo, mais ça a été ma photo qui est encore présente en bas de la page. Elle est nommée dans la Victoire de Samothrace se posant sur le navire. Voilà, c'est moi qui ai pris la photo juste après la restauration. Et je suis allé faire une recherche 2 ans après sur Google pour voir combien il y avait de réusage de cette image-là, qui était à l'époque en plein dans le médaillon Wiki. J'étais à 4,5 milliards de résultats. Donc, Wikipédia ne générait pas 4,5 milliards de vues sur la page de Victoire de Samothrace, bien que ce soit une statue qui est très connue. Hein, la question n'était pas là. Ces images, on va pouvoir donc... le simple fait, et pourtant je n'avais pas beaucoup développé, le simple fait de mettre des images et de les ranger correctement, ce qui ne demande pas grand-chose sur Commons, puisqu'on a une structuration, une ontologie et un thésaurus qui est un peu mouvant, mais qui est quand même très fonctionnel. Il a l'avantage d'être sémantique.
d'avoir utilisé par le web sémantique. Et ça, c'est un atout majeur, ce qui fait qu'une simple petite intégration dans l'arborescence de rangement de Commons va assez rapidement permettre à des robots de l'utiliser, de diffuser et d'y associer un grand nombre de tags, alors que de base, le contributeur ou la contributrice qui verse l'image aura juste pensé à 2-3 trucs, mais il va rentrer dans tout un champ de savoir qui sera déjà préétabli. On peut avoir donc des descriptions, des images qui peuvent être assez détaillées, notamment pour les associer aux fonds, pour les associer aux institutions, où elles ont été prises, qui les ont numérisées, tout ça. Mais on va aussi avoir cette arborescence qu'on appelle les catégories, qui peut correspondre aux hashtags, aux mots-clés, mais qui sur Wikimedia Commons et surtout les projets wiki en général, est présente et surtout a l'avantage d'être hiérarchisable. C'est-à-dire que vous allez avoir un hashtag avec des sous-hashtags et des sous-sous-hashtags et vous pouvez positionner l'image à plusieurs niveaux. Ça fonctionne plus comme sous forme de boîte, et pour une simple image, on peut avoir autant de boîtes qu'on veut. Donc là, on se posait la question de multiplier les hashtags. Il y a des images avec plus de 300 catégories sans problème sur Commons, et on n'a pas de limite de taille, on peut en mettre encore, mais on a aussi des hashtags qu'on va pouvoir mettre, on va pouvoir ranger par période de prise de vue, par artiste, par style, par objet représenté, et ainsi de suite. On a un certain nombre de possibilités de recouper, et on a des outils qui nous permettent de, je veux toutes les femmes en maillot de bain sur une plage de Dunkerque entre 1990 et 1992, et c'est possible de trouver des images et de faire ces recherches-là qui sont très précises grâce à ce système-là. Depuis 2018, on a même une deuxième chose qui est entrée, c'est ce qu'on appelle une wiki base, donc c'est une base de données en RDF, pour ceux qui connaissent, donc c'est des triplés, cette base de données qui est extrêmement puissante, puisque la wiki base Wikidata qui est associée, c'est déjà 100 millions d'éléments, à peu près 120 millions aujourd'hui, d'objets associés, mais des objets abstraits et tout ça, et on va y associer une description qui est encore plus sémantisée que la hiérarchie sur les images. Donc on va pouvoir dire, ça c'est une photo de la victoire de Samothrace qui est prise avec une ombre portée, et on va renvoyer vers les différents objets, et donc on va pouvoir se déplacer dans les différents schémas de savoir. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos photos ressortent très facilement, d'autant plus si vous dites je veux des photos en licence libre, sur les outils de recherche d'images, puisqu'on est une masse très très importante et surtout beaucoup mieux décrite que Flickr ou d'autres. Néanmoins, cela ne représente que 30% du contenu. C'est-à-dire qu'il y a 70% des images qui sont versées qui ne sont pas catégorisées. Et la grosse contribution de Commons, ce n'est pas tant le versement des données, parce que les glams qu'on verse des données sont déjà toutes catégorisées, sont très très propres et c'est super, mais c'est la catégorisation de toutes les photos qui sont versées par le grand public. Et il y a de tout. Des photos les plus qualitatives, comme des choses en toute petite définition de 120 sur 120 pixels qui sont inutilisables et qu'on dit bon, on va peut-être supprimer. Voilà, et ça, c'est la contribution des 40 000 personnes sur Commons qui versent et qui trient, beaucoup. Voilà pour la description. Parfait, on est presque dans les temps, vous êtes super fort. Du coup, là, on est sur des plateformes collaboratives à différents niveaux de collaboration. On va maintenant essayer un peu de plonger dans ces questions-là. Et justement, alors, peut-être que pour Wiki, c'est un peu plus simple, mais tu développeras, hein, enfin, en tout cas, plus simple, la réponse à amener sur le point de départ de l'appel aux communautés. On va commencer avec Vanessa et peut-être que je préciserai un peu le sens de la question pour les autres collègues, parce qu'en fonction des plateformes, bien évidemment, ça va changer un peu. Sur PlantNet, quelle était l'idée de départ? Pourquoi en fait ouvrir cette... Pourquoi des chercheurs? Parce que nous, on parle en tant que professionnels de l'information et de la documentation avec tous les tocs qu'on peut avoir sur les répertoires normés, les vocabulaires, les problèmes de virgule, les points-virgules, voilà, maintenant qu'on sait bien tous psychanalyser. Je suppose que les botanistes aussi sont très pointilleux sur les normes de description. À quel moment on se dit qu'on va faire appel à des communautés qui ne sont pas des communautés expertes? Ou alors peut-être que c'est en plusieurs temps d'ailleurs. Hein, je pense qu'il y a plusieurs échelles de réponse là, si tu veux. Si je prends le côté vraiment purement recherche, en fait, si on veut faire de la recherche, on a besoin sur certains thèmes, comme par exemple la distribution des espèces,
on a besoin d'énormément, énormément d'informations. Et en fait, ça, au niveau des équipes de recherche, nous, on n'a pas suffisamment de personnes pour pouvoir recueillir autant d'informations. Et je pense que ça marche pour PlanteNet, mais en fait, ça marche pour plein de plateformes de recherche participative, entre autres sur les oiseaux, où je sais qu'il y a eu énormément d'informations sur les migrations des oiseaux qui ont pu être obtenues grâce justement à cette énorme quantité d'informations qui a été produite par le grand public, parce que ça nous permet d'avoir des informations que nous, on n'aurait jamais pu recueillir, nous, tout seuls, avec nos petites équipes de recherche, en envoyant trois personnes avec des frais de mission pendant une semaine pour aller faire des points sur une carte. Donc, il y a un intérêt, évidemment, au niveau recherche et conservation d'avoir ces informations-là. Après, si tu veux, l'idée aussi au départ, c'était simplement, là je parlais du verrou d'identification, c'était aussi le plaisir quelque part de dire, bah, on sait que c'est super difficile d'identifier des espèces de plantes, on sait que c'est un vrai verrou, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont bloqués par rapport à ça, qui aimeraient bien apprendre, mais qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément les outils. Et donc, est-ce qu'on est capable de produire un outil qui permette de mettre un nom sur une plante? Et moi, franchement, au départ, quand PlanteNet a été créé, j'y croyais pas. Moi qui suis botaniste et qui sais la difficulté que ça peut représenter justement de prendre une plante, de regarder tous ces petits détails, d'ouvrir une flore, de suivre une clé d'identification, ça me paraissait complètement farfelu de réussir à identifier une plante avec une intelligence artificielle à partir de photos. Et aujourd'hui, je suis vraiment bluffée de voir la performance de ces outils-là. Donc, je ne sais pas, je me suis peut-être un petit peu éloignée de ta question de départ, mais je pense Non, qu'effectivement, il y a plusieurs réponses c'était à vraiment ça. pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de participer? D'une part, parce qu'on a envie de partager avec les gens cette connaissance-là, et d'autre part, bien sûr, parce que nous, on a envie aussi de récupérer de la donnée, parce qu'il y a un certain nombre, et j'ai envie de dire, il y a un certain nombre d'urgences. Enfin, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique, et nous, on a envie et on a besoin de récupérer de la donnée pour pouvoir expliquer les impacts des changements climatiques sur les espèces. Et on n'a pas, enfin, je veux dire, on n'avait pas les moyens jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on développe ces outils-là de sciences participatives, on n'avait pas les moyens de pouvoir évaluer, par exemple, à quelle vitesse est-ce qu'on va avoir des espèces qui remontent en termes de distribution géographique, parce que justement, les changements climatiques font que la distribution des espèces change. Ça, si on n'avait pas eu l'implication de toutes ces personnes qui ont fait des observations et qui nous ont permis de faire des cartes de distribution à grande échelle, on n'aurait pas pu avoir les réponses à ces questions-là. Donc en fait, c'est super important en termes de recherche et en termes de conservation. Alors du coup, question à Philippe. Alors on va mettre de côté pour l'instant, parce que ça va nous occuper après, la question de la validation de l'information et de la justesse de l'information. Pour l'instant, on l'élude. Elle ne fait pas partie de notre univers. Pourquoi Photographe en Rhône-Alpes a fait appel à des communautés? Alors on ne rentre pas pour l'instant dans ce que les communautés fournissent comme travail. En tout cas, pourquoi vous avez eu l'envie d'aller voir des communautés? Tu veux dire des contributeurs, des Oui, contributeurs oui, extérieurs, oui. hein. Donc, bah simplement en fait parce que c'est un projet qui est venu dès le début en fait de la création de la base. C'était de mêler en fait à ce projet effectivement la population lyonnaise, mais pas que, puisque la base était sur Internet. Donc c'était un appel aussi à au-delà de Lyon, sur la région, hein, donc, et de faire participer effectivement ce qu'on a appelé des photo-citoyens dans un premier temps, après des contributeurs à cette base photo par les photos qu'ils pouvaient prendre eux-mêmes. Alors il y a eu deux aspects. Il y a eu d'abord des photos qu'ils pouvaient prendre eux-mêmes parce qu'ils étaient photographes amateurs et que voilà, avec les moyens actuels, tout le monde fait plus ou moins de la photo. Mais il y avait aussi une deuxième proposition, c'était vous avez des photographies argentiques sur plaques de verre qui dorment dans vos greniers, dans vos caves, etc. Amenez-les-nous et à ce moment-là, soit vous faites don de vos originaux à la bibliothèque, ça ira rejoindre nos silos et nos réserves, on en fera une numérisation, on les mettra nous-mêmes en ligne, soit vous nous les amenez, on les numérise, on vous rend vos originaux et vous nous autorisez à mettre les fichiers numériques en ligne. Donc il y avait ce double aspect en fait qui dès le départ s'est instauré et a plutôt bien marché. Et alors, Lucas, du coup, on va y répondre à cette question et glisser vers la suivante.
Parce que je pense que l'appel aux communautés pour Wiki, c'est plutôt dans sa nature de projet, donc ça va être compliqué. Mais enfin, du coup, tu vas me corriger et continuer. Mais alors, du coup, il va y avoir une double question. C'est que là, on fait l'appel au grand public sur PlanteNet et puis Photographe en Rhône-Alpes, même si je sais qu'il y a des contributions de photographes professionnels aussi sur Photographe en Rhône-Alpes. Hein, Quelques-uns. pas que... Mais du coup, sur Wiki, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on fait appel aux communautés et aux communautés de professionnels, notamment dans cette histoire de validité de l'information, de qualité de l'information, de garantir une fiabilité de l'information. Donc voilà, la question elle est double pour toi Lucas, elle est et cette notion de communauté à l'intérieur des projets Wiki et la question qui suivra pour Vanessa et Philippe qui peuvent y réfléchir pendant ce temps-là, de cette espèce d'équilibre entre la valeur ajoutée des communautés et le risque qu'on accepte avoir des communautés de types différents intervenir dans une base commune. Ouais. C'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que Commons est apparu, la communauté de Wikipédia elle était déjà là, et c'est émané de la communauté de Wikipédia. C'est la communauté qui a décidé on va faire Commons, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'il faut illustrer les différents projets Wikipédia, et en même temps, ça serait bien qu'on évite de mettre 15 fois la même image, parce qu'on a 15 langues qui décrivent ce monument quelconque. Donc, c'est vraiment émané de la communauté. Et quand le projet est né, une partie de la communauté qui travaillait surtout sur les illustrations de Wikipédia se sont déportées sur Commons pour créer le premier noyau pour faire démarrer le projet. Et en fait, beaucoup de gens sont venus dessus. Il y a beaucoup de photographes amateurs, pro, voire, enfin semi-pro, voire pro, qui mettent leurs photos sur Commons, qui n'hésitent pas parce que ben, ils savent que la visibilité elle est là quand les descriptions sont propres et surtout que Commons respecte le droit d'auteur puisqu'il y a l'attribution, même si c'est une licence libre et que tout le monde peut réutiliser l'image même commercialement, l'attribution est obligatoire la plupart du temps. Donc en soi, on sera attribué et c'est ça qui compte pour certains photographes pro. Et puis derrière, le fait est qu'on peut être réutilisé très facilement dans des pages Wikipédia. Or, je suis photographe pro, je prends une très belle photo d'un monument quelconque, bah, ça sera sûrement ma photo qui sera sur la page Wikipédia pour illustrer le monument, parce que bah, je suis plutôt bon, et voilà. Donc, c'est une façon de mettre en avant des bonnes compétences de description, de photographe et tout ça. Donc, il y a pas mal de pros qui se promènent dessus. Là, je parle de pros indépendants, mais derrière, on va parler de pro glam, c'est-à-dire qu'en fait, de la même manière, Peut-être que je me rends compte qu'on je n'a veux dire. pas du tout dit ce que c'était les glams, Je en vais dire ce fait. que c'est les GLAM. Les GLAM en anglais, c'est Gallery, Library, Archive and Museum. En français, on appelle ça des institutions culturelles. Voilà. Simplement. Mais c'est vrai que notre. Enfin, on a un jargon qui est resté dans le milieu wiki, qu'on appelle les wiki GLAM et tout ça, parce que c'est émané du milieu anglophone, c'est comme ça. Donc, pour les institutions culturelles, de manière générale, mes facs comprises, hein, universités comprises dans la boucle, elles y ont vu l'intérêt aussi de diffuser. Grâce à Commons et notamment beaucoup d'institutions culturelles sont détentrices d'une iconographie sur tout le champ culturel, des tableaux, d'artistes et tout ça, dont en fait parfois c'est peut-être les seuls à avoir la version numérique du fichier. Donc elles ont pris dès les années 2000, les premières versements, ça date de 2006-2007. Ils sont pas très connus, ils sont pas très importants parce que les serveurs n'étaient pas très connus à l'époque, mais le Metropolitan, c'est 2012 les premiers versements, et là on est pas la sixième année puisque c'est 2019 les derniers chiffres, donc 2013 le versement de 700 000 images. C'est assez rapidement, hein, c'est assez tôt dans l'histoire du projet, et aujourd'hui on est à 100 millions de fichiers, il y en a quand même assez peu qui émanent des institutions culturelles. En pourcentage, mais ce sont des fichiers qui sont souvent utilisés de par leur qualité, le fait de la numérisation. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, c'est le cas. C'est une qualité minimale qui est importante, et aussi parce que bah, la description, les travaux de description, ils sont retranscrits dans Commons. Quand on va récupérer toutes les informations d'inventaire qui sont données et tout ça, et donc sur Commons, on va avoir, même si c'est un champ professionnel, sur Wikipédia, on a des gens qui sont passionnés, intéressés. Et donc, quand je m'intéresse à une œuvre d'art, bah, je connais son numéro d'inventaire sur tous les musées qui la conservent. Et donc, ça ne pose pas de problème d'avoir un peu de vocabulaire professionnel pour l'identifier, et ainsi de suite. Donc,
On a ces deux communautés qui discutent et puis en fait c'est fondu parce qu'à côté de ça, on a des agents de musée qui, sur leur temps libre, vont prendre photo d'un tableau qui n'a pas été numérisé mais qui se disent c'est dommage, il n'y ait pas la photo sur Wiki puis qui vont le verser chez eux. On a des bénévoles qui visitent les musées dans le monde entier et qui disent ah bah tiens, ce tableau-là, je ne le connais pas, je vais le mettre sur Wiki, il est dans le domaine public, c'est bon. Et en fait, les frontières sont floues. On a des gens qui contribuent sur leur temps personnel, sur leur temps de travail. Et du coup, ça donne des qualités. On a des musées qui arrivent sur Wiki, qui découvrent qu'ils ont déjà plus de 1500 photos qui les concernent. C'était le cas pour le musée des Beaux-Arts de Nancy, où ils étaient là. Ah, bah d'accord. Bah, du coup, ça fait 800 000 vues par mois. Ah, on n'avait jamais pris ça en compte. Et en fait, c'est pas le seul, et c'est loin d'être le seul. La plupart des institutions culturelles en France qui font des expositions, qui ont une salle d'exposition, ont des œuvres numérisées ou qui ont un espace numérique, ont des œuvres qui ont été versées dans Commons pour pouvoir servir à la description de manière générale. En fait, ça se fait sans eux. Mais l'idée d'impliquer les GLAM, d'où mon activité professionnelle, c'est de les accompagner à non pas prendre ça en charge, mais à accompagner ça pour faire ça mieux et à une plus grande échelle et selon des critères de qualité minimale. Alors que ça peut être très variable si c'est un bénévole qui le fait. La photo peut être floue, la description peut être complètement fausse. Ça arrive, et ça peut être corrigé. À tout moment, ça peut être corrigé. Mais voilà. Et alors, du coup, sur l'idée de. On ouvre aux communautés. Bon, alors, les GLAM, on peut imaginer qu'elles ont, on va dire, une espèce de conscience professionnelle qui les poursuit partout et qui les oblige à bien renseigner les photographies, à essayer de sourcer au maximum. Concernant PlanteNet, quand on a préparé ce rendez-vous, à un moment, on m'a dit oui, mais c'est souvent des gens qui s'y connaissent. Alors moi-même, je participe à PlanteNet à toute petite échelle. Hein. Ne va pas regarder Vanessa, il va avoir deux pauvres photos. Bref, je n'y connais rien. Du coup, à quel moment on accepte le risque que potentiellement ce soit pas. Voilà, que l'information. Il peut y avoir des risques que quelqu'un se trompe. Comment on. Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé hein, de l'IA et d'entraîner le modèle. Et comment on garantit, parce qu'il n'y a pas de contrôle, hein, il n'y a pas de modération. Si demain, j'identifie une rose en disant que c'est un pissenlit, ben, moi, je ne le ferai pas. Mais presque, ça pourrait être possible. Enfin, en termes de pourcentage, je ne sais pas si vous avez déjà vu PlanteNet, mais je suppose que la jauge ne serait même pas un petit pourcent de chance que ça en soit. Mais comment ça marche? Comment on prend le risque de se dire que bah, dans ces milliers de millions de données, ça va se contrôler, ça va s'harmoniser et au final, la donnée sera fiable, plus ou moins? Alors, bon, pareil, il y a toujours plusieurs éléments de réponse. Mais bon, la première, effectivement, ça va se jouer sur le volume. C'est-à-dire que là, si je prends l'exemple de quelqu'un qui va vouloir travailler, un chercheur qui va vouloir travailler sur un jeu de données de distribution d'espèces pour faire des cartes. Il va prendre tout le jeu de données, il va projeter ça sur une carte. S'il se retrouve, donc il est en train d'étudier une espèce qui pousse dans le sud de la France, s'il commence à avoir des points qui sortent en Afrique, bah, ces points-là, il ne va juste pas les utiliser. Enfin, il y a un certain nombre de... Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire directement pour nettoyer, on va dire, quand c'est sur les gros jeux de données, parce qu'en fait, là, on va vraiment jouer sur le volume. Et on va se dire, bah voilà, sur le volume de données, effectivement, il y en aura toujours 10% qui seront pourries et qui ne seront pas bonnes. Mais bon, quelque part, tant que ça reste dans la zone de distribution, bah, finalement, ça ne change pas grand-chose aux données. Celles qui sont vraiment complètement, complètement fausses, on a quand même des moyens de les retrouver. Alors après, effectivement, ça va. On a des problèmes, hein, des erreurs, il y en a. Et effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ça pose problème, par exemple, sur les espèces rares. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre une première image d'une espèce qui n'est pas encore illustrée et qui va mettre un nom dessus en disant, bah voilà, cette espèce, c'est celle-là, et qu'on n'a pas d'autres illustrations pour cette espèce, ça souvent c'est ce qui pose problème, parce que là on a un effet boule de neige où l'IA elle va apprendre sur cette image-là en disant ah bah ok, ça c'est ça, mais si au départ c'est pas ça, elle va reconnaître d'autres images qu'elle va identifier incorrectement comme étant celle-là, les gens à partir des images vont regarder, vont dire ah bah oui c'est bien la même image donc c'est bien ça, et en fait l'erreur va s'accumuler, donc ça fait partie des choses qui sont difficiles à traquer.
Et c'est exactement pour ce genre de cas-là qu'on est content d'avoir une communauté savante. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aussi sur le volume de personnes qu'il y a, il y a évidemment énormément de personnes qui n'ont pas la connaissance, mais il y a aussi plein de personnes qui connaissent. Et donc, ces gens-là, et ils sont extrêmement, extrêmement utiles pour nous. Il y a des gens qui passent un temps infini que je ne connais pas personnellement, mais bon, voilà, parfois on échange avec cette communauté, des gens qui vont voter, qui vont réidentifier des espèces et qui vont passer du temps justement à faire des corrections et à renommer et à signaler quand il y a des erreurs et à les corriger. Un autre système aussi qu'on a mis en place, donc là qui est un système automatisé, c'est qu'en fait chaque utilisateur va avoir un poids. Donc c'est un algorithme qui est calculé en fonction du nombre d'observations, en fonction du nombre de votes, en fonction de la qualité des observations, en fonction du fait que les observations sont ou non controversées ou contredites. Donc il y a aussi une histoire de qualité vraiment de l'information. Et donc à partir de ces données-là, les utilisateurs ont des poids différents. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que ça permet à un utilisateur qui n'a pas de connaissances, qui utilise PlanteNet de temps en temps et qui va… On a souvent des utilisateurs qui ne vont pas oser valider l'espèce en disant « bah oui, mais moi, j'y connais rien, alors j'ose pas valider ». Il ne faut pas hésiter à valider parce qu'il faut bien se dire que quand on ne connaît pas grand-chose, en général, on n'a pas un poids très important. Et les personnes qui ont l'habitude et qui ont des connaissances ont des poids plus importants et elles vont, un jour ou l'autre, revenir sur ces observations et les corriger avec un poids plus important, et ce qui fait que ça va faire basculer les identifications. Et moi, là où je suis quand même super agréablement surprise, c'est que je vois que parfois, il y a dans une même journée quelqu'un qui va mettre une observation et il va y avoir 6 personnes qui interviennent dessus en disant c'est ça, mais non, c'est ça, mais non, regardez, les dents, elles sont comme ci, elles sont trop pointues, et l'angle du lobe, il n'est pas bon et tout. Et donc, il y a quand même, même si notre espace ne s'y prête peut-être pas encore suffisamment, à mon goût en tout cas, pour l'interaction, il y a quand même des gens qui vont discuter et qui vont corriger les observations et plus rapidement qu'on ne le pense au final. Alors du coup, comme le temps file et que j'aimerais qu'on puisse discuter un peu avec la salle, je vais poser quand même la question à Philippe avec une nouvelle question double. Donc dans Photographe en Rhône-Alpes, il y a effectivement un aspect collaboratif sur l'appel à donner des photographies, mais pour le moment, les personnes ne peuvent pas rentrer directement les photos. Donc déjà, peut-être nous dire le choix qui a été le vôtre pour ne pas l'autoriser. Et deuxièmement, comme Vanessa vient de parler des communautés, et c'est ce sur quoi j'aimerais que nous, on termine entre nous avant d'ouvrir le dialogue, donc vous avez fait ce choix et vous allez nous l'expliquer, et comment vous animez les communautés qui participent à quel, voilà, qu'est-ce, ça sera la dernière question pour tout le monde, ça sera comment on anime des communautés et quelle valeur ajoutée il y a à cette animation et ce rapprochement, peut-être de passer de ce côté numérique, alors là on a l'IA avec PlanteNet, mais à de nouveau une rencontre humaine qui favoriserait ces communautés expertes et qui collaborent à vos projets. Ben la contribution pour l'instant, elle est indirecte, c'est-à-dire qu'elle est modérée, aussi bien sur les versements que sur les métadonnées. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ouvert, bien que techniquement ce soit possible, hein, que ce soit tout à fait envisageable, on y a déjà pensé, c'est d'ouvrir, on pourrait imaginer ouvrir certains champs, mais ça demanderait un petit peu de développement, ouvrir certains champs non normés, comme le titre, l'auteur, certains champs de notes, etc. La date, hein, puisque souvent les photographes savent à quelle date ils l'ont prise, surtout aujourd'hui avec les photographies numériques, on n'a plus ce souci-là, parce que tout est dans le DEXIF, donc il suffit de les récupérer. Donc il y a des champs qui sont assez, assez faciles. Et puis il y a d'autres champs, notamment sur les vedettes de lieu ou les autorités, où là, on se dit que c'est quand même du métier du bibliothécaire et que c'est un domaine qui est un petit peu réservé et sur lequel on n'aime pas trop que n'importe qui intervienne. Bien que aujourd'hui les outils qui sont mis en place en fait permettraient de le faire, puisque on a un système de ce qu'on appelle un dictionnaire, en fait qui est une autocomplétion, donc il y a des autorités qui ont déjà été rentrées, hein, on va dire
Raymond Barre, par exemple. Voilà, si quelqu'un a pris une photo de Raymond Barre avec cette autocomplétion, il y a moyen d'aller la piocher, d'aller la récupérer. Donc, il y a des facilités qui sont déjà apportées sur notre interface à nous. Et puis, la deuxième partie de la question, c'était sur du coup, comment vous finalement, bon, là, ça devance peut-être la réponse, mais comment on fidélise ces communautés, comment on leur donne envie d'être, de continuer à contribuer, d'être là, est-ce que ça passe par des ateliers, est-ce que ça passe par juste la plateforme, est-ce que ça passe par des rencontres humaines? Alors, comment on fait pour fidéliser ces communautés? Il y a plusieurs axes, c'est-à-dire qu'on a d'abord sur chacune des notices des photographies sur la base, il y a un petit bouton qui permet aux visiteurs du site d'intervenir sur les photos, ici aussi de façon modérée. C'est un petit bouton qui est intitulé « Aidez-nous à décrire cette photo », donc, parce que nul n'est parfait, que nous aussi on fait des erreurs de temps en temps, ou on fait des oublis, ou des fois on va un peu vite parce que justement il y a des photographies qu'on essaye de rendre public le plus rapidement possible, et donc du coup on se dit ben, on reviendra dessus ultérieurement, et donc on fait des versements un peu rapides tout en sachant qu'effectivement ça demanderait de revenir sur ce travail-là. Et donc ce bouton-là permet effectivement aux internautes de rebondir sur des lacunes, sur des manques, sur des oublis, des fois des erreurs. Là aussi c'est modéré, c'est-à-dire que c'est un simple mail qui nous envoie pour le coup. Et puis on essaye aussi de fédérer ces amateurs de photographie, ces contributeurs autour de soit de balades photographiques. On en a relancé là dernièrement plusieurs. C'est quelque chose qui avait beaucoup lieu dans les premiers temps de la base, c'est-à-dire en 2012 quand Anne Meyer, ancienne conservatrice de la documentation régionale, avait lancé ce projet-là. Elle organisait avec le photographe de la bibliothèque effectivement des genres de balades urbaines, mais des balades photographiques accompagnées du photographe de la bibliothèque, et qui donnait des conseils de prise de vue, de cadrage, des fois qui étaient poursuivis à l'espace numérique ici pour de la retouche photo, et puis sur une présentation aussi de la base, comme on l'a fait dernièrement avec des photographes amateurs. Et donc, bah, ça reprend l'intérêt auprès des photographes, effectivement, puisque là, le dernier groupe, il y avait une douzaine de personnes qui étaient présentes, qui vont poursuivre, puisqu'on a décidé de relancer ça pour la saison prochaine. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, il y a par ce biais-là, il y a par le biais aussi de ce qu'on appelle des heures de la découverte. Moi, je m'organise plusieurs par an. Et là, pour le coup, c'est l'occasion aussi d'être en groupe restreint, de présenter ce projet, de présenter la base, de présenter les fonds, et de relancer aussi cet appel à contribution auprès des gens qui sont présents. Et donc là, moi, à chaque fois, j'ai toujours une ou deux personnes où je vois bien qu'ils viennent spécifiquement pour donner des photos. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on les repère assez rapidement dès le début. Et une fois, j'avais un couple qui était venu, assez âgé, et puis je voyais la dame qui poussait son mari du coude en lui disant « vas-y, vas-y, vas-y ». Et puis effectivement, à la fin, il est venu pour me proposer des photos pour la base, donc c'est assez rigolo. Mais ça marche plutôt bien. Oui. Et du côté... non, je pensais, je regardais Lucas. C'est parce que Vanessa, elle est aussi dans le même angle que Lucas. Mais non, Lucas, côté atelier Wiki, est-ce que proposer des ateliers, des hackathons, des événements un peu physiques à toutes ces contributions, est-ce que ça fédère les communautés? Est-ce que ça aide justement? Oui. Et peut-être... ça n'a rien à voir, mais c'était juste sur le côté validation. Pour le côté de PlanteNet, on a vu que ça se faisait aussi par la masse de données, etc. Peut-être expliquer aussi sur Wiki, peut-être les espaces de discussion, enfin comment est modérée l'information. Voilà, c'est juste, c'est effectivement revenir un peu en arrière par rapport aux communautés, mais je crois qu'on ne l'a pas dit et ça me semble important. Alors, sur Commons, il y a un espace de discussion qui est associé à chacune des fichiers où on peut discuter du contenu et de la description, et de s'il y a un souci ou pas. Sachant qu'il y a 100 millions de fichiers et 40 000 contributeurs, il y a plein d'espaces vides. Hein. Clairement, tous n'ont pas de commentaires.
Les commentaires se font rarement sur les espaces derrière les fichiers, même si vous pouvez toujours y accéder. Il y a des espaces de discussion qu'on appelle les bistrots, où en fait c'est un espace d'une sorte de forum en fait où on va discuter. Et là, on va discuter de ah ben j'arrive pas à trouver cette image, machin. Et puis c'est plus carré. Sur Commons, il n'y a pas tant que ça de modération, dans le sens que ce qu'on va modérer, ça va être les images. Si elles sont clairement illégales ou illicites, on va les enlever parce qu'on n'est pas là pour faire en dehors de la légalité. Donc ça veut dire essentiellement des choses qui ne sont, qui sont soit sous le coup de la loi, soit parce que ben elles sont sous droit d'auteur. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas, on n'a pas les droits, on enlève. Voilà. Sachant que sur Commons, on n'a pas de restriction de sujet, mais il faut rester dans la légalité. Voilà. Donc on a des sujets comme la sexualité qui est clairement illustré, mais après c'est à faire attention quand on montre, on fait des recherches avec les jeunes dedans parce qu'on n'a pas de fil de mœurs. Ça, c'est une première chose. Dans la modération, par exemple, il y a aussi quelque chose qu'on fait, c'est il y aura des sujets qui sont ultra visités, il y a 45 000 images de la même chose. Ça, il y a un bout d'un moment, on commence à en avoir un peu marre. Et donc, on va éviter, on va commencer à supprimer les images quand on commence à avoir beaucoup trop d'images de la même vue. De tous les temps, on a tous les temps, toutes les périodes de l'année, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, c'est toujours les mêmes choses. Bon, ben, on finit par supprimer quand il y en a beaucoup trop. C'est le cas pour les corps humains, il y a beaucoup trop de gens qui prennent en photo leurs mains et leurs parties génitales, quel que soit le genre. Donc, il y a un moment, on a dit, si vous n'avez pas une maladie particulière, vous ne vous mettez pas les photos. Mais c'est comme ça, en fait. Pour ce qui est de l'animation de la communauté, il y a une animation en ligne qui se fait tous les mois, il y a des concours photos. Sur Commons, il y a des gros concours photos et il y a des concours photos internationaux annuels, Wiki Love Monuments, Wiki Love Earth, ainsi de suite, qui peuvent amener à des récompenses qui peuvent être un petit peu pécuniaires, on parle de 1 000 $, un truc comme ça, mais qui sont des concours photos avec des photos qui sont absolument superbes. Le concours de l'année de Wikimedia Commons, la plus belle photo de l'année, c'est à chaque fois époustouflant, les 100 derniers concurrents, c'est à tomber par terre. Donc, hormis les concours en ligne, on fait beaucoup d'activités physiques, notamment les sorties photos, c'est sympa. On se regroupe à un certain nombre de personnes et on se dit, bah, attendez, on va faire un parcours, il faut qu'on prenne en photo tout ce qu'il y a sur le parcours. Donc, en fonction des envies des gens, des angles, des trucs, des appareils, on finit par avoir après des versements. On verse à peu près, je sais pas, 1 000 images d'un coup, c'est assez sympa. Après, c'est toujours plus long de verser les images que de les prendre. Oui, voilà, on peut faire ce genre de choses. Mais on a aussi les ateliers de valorisation du patrimoine, comme ce qui s'est passé il y a quelques jours aux archives, justement, où là, ça a été versé des photos aux archives municipales de Lyon, où il y avait versé des images, et puis surtout les catégoriser, les ranger et les valoriser sur les projets wiki. Et donc là aussi, c'est assez qualitatif, surtout qu'on a un sujet, une thématique, et puis donc on peut valoriser pas mal. On a aussi des ateliers qu'on avait fait pendant longtemps à la bibliothèque ici, où on accompagnait les gens à verser des photos. Notamment, souvent, c'est les photos de vacances. Quand on visite des photos de vacances, on visite des lieux, on visite des choses, et puis ces lieux, ben, des fois, ils sont un peu rares, donc on aime bien avoir des photos. C'est un peu l'occasion de dire aux gens, bah, si vous faites des vacances un peu culturelles, pensez à nous, quoi. Et ça marche pas mal. Voilà. Et Vanessa, du coup, parce que tu l'as dit un peu en préambule de ta présentation, alors déjà peut-être aussi redire combien vous êtes à PlanteNet et l'accent qui pour toi doit être mis sur l'animation des communautés justement dans ce projet-là. Bah, tu vois, je suis en train de prendre des notes là en fait, en me disant oui, c'est bien les sorties images, les appels à contribution. On devrait faire ça pour les espèces qui ne sont pas illustrées, donc je suis en train de prendre des notes en fait. Oui, bah justement, nous, pour moi, c'est la partie qui manque un petit peu, c'est qu'on interagit finalement assez peu avec la communauté. Parce que c'est vrai que le site n'avait pas été tellement réfléchi pour ça au départ. Donc, il y a moyen de faire des commentaires, mais qui n'apparaissent pas sur les images. Enfin, c'est des petits détails, mais bon, qui demandent du temps de développement. Du coup, j'en profite pour répondre à ton autre question qui est quand même importante. Tu nous demandais combien on était. En fait, on doit être à peu près 7 ou 8, pas forcément tous à temps plein sur PlanteNet. Donc, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est très peu par rapport au volume de données qui sont produites et par rapport à tout ce que ça demande de travail en termes de développement. Et bon, je ne parle pas de la curation de données parce que finalement, dans ces 7 ou 8 personnes,
Finalement, il y a deux demi-botanistes, des gens qui en ont fait un petit peu, mais bon, qui ne sont pas forcément botanistes professionnels. Donc, c'est vrai qu'on est une petite équipe, ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne peut pas forcément faire parce que, puis on est impliqué dans des gros projets européens. Enfin, il y a beaucoup de collaborations qui sont mises en place par ailleurs, qui font qu'on n'a pas forcément le temps qu'on souhaiterait pour le purement ce qui est développement de la plateforme, quoi. Et donc, en termes d'animation de communauté, bah voilà, moi, c'est vrai que je suis en train, là aujourd'hui, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour que notre communauté, elle monte en compétences. Donc, je pense qu'il y a effectivement un vrai besoin de proposer des webinaires, enfin, tu vois, demander à des spécialistes d'intervenir, peut-être pour parler d'un groupe particulier, difficile, pour voilà, les gens qui sont intéressés. Donc, pour moi, il y a énormément, énormément de choses qu'il faudrait qu'on mette en place pour que les gens interagissent plus, pour que les gens sachent aussi qu'il y a tout cet aspect derrière participatif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui se contentent de faire une photo et puis d'obtenir le nom derrière. Et d'ailleurs, je fais un petit appel parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation et pourtant c'est un truc assez important. C'est que, en fait, ce qui est très important si on veut vraiment profiter et faire profiter PlanteNet de l'aspect collaboratif, c'est qu'il faut créer un compte. Et en fait, quand on ne crée pas de compte, ça veut dire que les observations que les gens font, elles ne vont pas pouvoir être utilisées derrière pour la science et pour la conservation et pour les projets purement de science participative. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui simplement voilà, font une photo et puis la photo, elle n'est pas conservée, elle n'est pas gardée et elle peut pas être utilisée pour l'ensemble des projets. Donc là, il faut aussi qu'on communique mieux pour que les gens sachent que créer un compte, ça leur permet eux aussi de retourner sur leurs données, de les trier, de se rappeler de ce qu'ils ont photographié. Donc ça permet aussi d'avoir une autre approche de la botanique qui va être pas seulement mettre un nom un jour sur une plante, mais aussi bah, se rappeler de comment elle s'appelait, où est-ce qu'on l'avait vue, se dire, ah bah là, je vois une autre plante, ça ressemble à ce que j'avais vu, mais c'est un petit peu différent, de comparer en disant, ah bah oui, effectivement, les pétales sont plus longs, les feuilles sont plus dentées, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire encore pour promouvoir la botanique, la connaissance des plantes, le goût que les gens peuvent avoir pour le monde végétal à travers la plateforme. Et bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on va mettre en place petit à petit, mais ça demande du développement et ça demande des changements dans le site, des modifications pour lesquelles on a, avec notre petite équipe, pas forcément le temps de mettre en place aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup. Il reste quand même quelques petites minutes qu'on peut prendre avant la conclusion. Si vous avez des questions, vous, à nos intervenants, j'en vois une là-bas, Bénédicte. Oui, c'est bon. Bonjour. Moi, une question, un retour d'utilisateur tout frais au sujet de PlanteNet, puisque figurez-vous que votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Outre les archives municipales, je m'occupe à Albertville des sites et monuments patrimoniaux de la ville, et on a un petit château 16e là-bas qui, comme beaucoup, a un jardin. Ce jardin est connu sur plan par un petit peu de documentation qu'on a en archive, et puis pas plus tard qu'hier, avec ma collègue, on retourne faire un tour dans le jardin, et puis il y avait quelques vieux arbres qu'avec mes mots de béotien, je décrirais comme des citronniers rigolos qui ont des grosses épines et qui font des fruits veloutés de la taille d'une balle de golf. Voilà, ça s'arrête là. J'entends parler de Plante-nette ça et tout moi à l'heure. ça. Voilà, eh ben, du coup, ben, pendant votre intervention, enfin, je vais jeter un petit coup d'œil. Je balance ma photo plus ou moins, enfin, plus ou moins passable, mais il me le trouve. Citronnier épineux, donc ben, 7% de probabilité, donc je double avec une photo du fruit. Ça fonctionne et c'est d'autant plus intéressant que du coup, allant regarder, je m'aperçois qu'il tient moins 15 à moins 20 degrés, qu'il est ramené en Europe vers 1850, le jardin est repris vers la mi-19e, on est en Savoie, ça tient des hivers solides, je rentre à la maison avec un élément intéressant. Merci beaucoup. La boucle est bouclée quelque part, annexation collaborative, utilisation par le chercheur. Génial. Merci, fantastique. Vous avez créé un compte, j'espère. Il s'est engagé là, il est devant les 60 personnes présentes et il a dit qu'il le ferait. Voilà, parfait. Bah, super, merci beaucoup. Une autre question devant. Oui, c'est une suggestion pour Vanessa. Alors, bon, en tant qu'animatrice numérique, j'ai organisé des. Enfin, nous avons, parce qu'on fait plusieurs, organisé des ateliers Wikipédia
notamment avec Lucas, ici à la Bibliothèque de la Part-Dieu. L'intérêt pour les institutions de venir vous aider, et je pense notamment à des institutions aussi patrimoniales, c'est de valoriser des choses qui ne sont pas forcément ouvertes souvent au public. Et je pense par exemple au jardin botanique. Ici à Lyon, on a un grand jardin botanique avec l'herbier de Rousseau, avec une granaterie parfois ancienne, enfin, et puis des botanistes et aussi des médiateurs maintenant souvent dans les jardins botaniques. Et dans les jardins botaniques, il y a potentiellement des écoles botaniques avec des plantes pour pouvoir les découvrir. Et organiser avec eux une visite pour le public qui serait donc un petit peu initié aussi aux besoins et à la méthode de PlanteNet pour prendre des photos avec des botanistes derrière ou des médiateurs qui vont les initier aussi à de la reconnaissance et de l'identification. Ça peut faire connaître évidemment votre travail et vos besoins. Ça peut aussi permettre aux jardins botaniques, aux institutions, muséums d'histoire naturelle, etc., de faire aussi découvrir des pièces un petit peu rares qui peuvent sortir de leur collection. Et ça, ça intéresse toujours les publics qui sont curieux. Et voilà. Et on a besoin de publics curieux. Donc voilà, ça peut être une suggestion pour vous permettre de faire une médiation intéressante, peut-être. Mais ouais, tout à fait, merci beaucoup. Alors je vous avoue que comme on est pas mal sollicité, c'est vrai qu'on ne répond pas forcément à toutes les sollicitations, mais c'est vrai que on essaye dans la mesure du possible, tout comme là je suis présente aujourd'hui à la table ronde, on essaye quand même de temps en temps de pouvoir être présent, interagir avec le public. Là il y a évidemment pas mal de choses qu'il est possible de mettre en place dans ce type de structure, entre autres la création de groupes, donc ça c'est des choses qui sont proposées sur le site. On peut créer des groupes qui permettent de rassembler des observations autour d'un thème ou d'une zone géographique. Alors typiquement, un jardin botanique, c'est vraiment un très bon exemple d'un sujet autour duquel on peut créer un groupe, tout particulièrement pour un événement particulier, en disant, voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire un maximum d'observations dans PlanteNet, dans le jardin botanique, et donc on va créer un groupe parce que ça va nous permettre d'avoir toutes les observations au même endroit et de pouvoir les exporter et les récupérer sous un format qui soit après utilisable. Et on a aussi un système de micro-projets qu'on a mis en place déjà dans plusieurs jardins botaniques. Et donc là, c'est le jardin botanique va nous fournir sa liste d'espèces. Et quand les gens entrent dans l'enceinte du jardin botanique et qu'ils sont géolocalisés, le projet, enfin le PlanteNet va leur proposer de rentrer dans le projet, et à ce moment-là, la liste des espèces qui leur sera proposée quand ils feront leurs identifications sera limitée aux espèces qui sont présentes dans le projet. Et ça permet en fait aux gens d'avoir une identification beaucoup plus précise que s'ils sont dans la flore mondiale, et où potentiellement ça peut leur proposer des espèces, j'en sais rien, africaines ou ailleurs, parce que morphologiquement elles vont se ressembler. Donc on a des partenariats de différentes natures avec les jardins botaniques, ce qui peuvent être des micro-projets, qui peuvent être des groupes. Mais effectivement, c'est vrai que l'idée de faire des animations et éventuellement que nous, on ait quelqu'un qui vienne pour une occasion, pour une journée particulière, pour essayer de faire un maximum de photos, renseigner, de compléter l'application et puis informer les gens et leur montrer comment ça marche. Oui, bien sûr que ce sont des très bonnes idées et puis on est ravis quand on peut participer à ce genre d'événement. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, en tout cas. On va prendre une dernière question, comme ça laisse le temps à David de peaufiner sa conclusion. Attention, c'est l'instant au vol, donc on va encore lui laisser 5 minutes. Moi, c'était juste une remarque sur une pratique que je trouvais intéressante. Donc là, on parle de pratique collaborative. Et parfois, il peut aussi y avoir ce qu'on pourrait appeler presque de la pratique forcée. Je pense que vous voyez tous ce qu'on appelle les petits CAPTCHA. On rentre dans un site internet, on vous demande de cliquer sur un bouton pour dire que vous êtes bien un être humain. De plus en plus souvent, aujourd'hui, par exemple, ça arrive qu'on voit des images et on vous dit, là où vous voyez un passage piéton, cliquez sur le passage piéton. Là où vous voyez une voiture, cliquez sur la voiture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les premiers à avoir mis ça en place, c'était Yahoo dans les années 2000, justement pour éviter de se faire envahir par des robots. Et donc, c'était le moyen de différencier un homme d'un robot. Mais ils se sont dit, après tout, on demande un effort à l'usager. Pourquoi ne pas transformer cet effort en quelque chose ? C'est-à-dire que l'usager doit fournir un clic. Alors, il y a une bibliothèque, comme ça, je ne sais plus où, aux États-Unis, qui s'était amusée à prendre des manuscrits qui n'étaient pas ossérisés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de la recherche plein de textes dedans. Et ils mettaient des tout petits bouts de manuscrits, et l'utilisateur disait, voilà, moi, ce que je vois. Et il rentrait le petit bout de manuscrit. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, c'est comme si les utilisateurs numérisaient eux-mêmes
les manuscrits en vérifiant que ce n'étaient pas des robots. Et aujourd'hui, alors dans le cadre d'une image, donc on le fait de plus en plus, par exemple, pour entraîner les voitures intelligentes, bah, comment les voitures, elles savent qu'un passage piéton, c'est un passage piéton? Bah, en fait, nous, humains, quand on clique là-dessus, on est en train d'entraîner les voitures à reconnaître des passages piétons. Et donc, dans le cadre, par exemple, d'indexation de premier niveau, vous voulez rentrer sur le site de photographe Rhône-Alpes, et ben, oh bah, cliquez là-dessus, et puis, où est-ce que vous voyez une maison dans cette image? Voilà. Et puis, l'utilisateur ouais, est forcé. Et oui, c'est déjà en France. Il y a deux tests qui ont déjà été mis en preuve. Alors, je peux retrouver qui l'a fait, mais en regardant au boulot. Mais il y a déjà deux boîtes qui l'ont fait sur des images patrimoniales. Et c'est assez génial de pouvoir profiter des CAPTCHA pour authentifier, par exemple, dire, ben voilà, vous avez six images, dedans, il y a un flamant rose, cliquez sur le flamant rose et ça permet d'indexer l'histoire du flamant rose alors qu'on ne l'avait pas du tout fait. Après, ça demande, les gens qui en avaient parlé, ça demande de préparer des corpus bien précis et d'avoir un lien derrière facile avec la base de données pour vraiment alimenter en direct. Mais en tout cas, c'est une vraie possibilité et ça serait quand même un peu plus intéressant que les passages à niveau ou les feux rouges. ReCAPTCHA, il y a une page Wikipédia dessus. Bon, on ira voir, voilà, c'est tout. Tout est sur Wikipédia, c'est vraiment formidable. Donc, je suppose qu'en sortant d'ici, vous allez contribuer à Wikicommons, vous allez identifier toutes les plantes sur le chemin en rentrant chez vous, en créant un compte, bien évidemment, sur PlanteNet. Merci, et Emmanuel. Et contribuer à envoyer vos photos. Ah, bah voilà, du côté des archives d'Annecy, c'est bon, ça y est, c'est quasiment fait. En tout cas, un très, très grand merci à vous trois pour vos interventions et pour vos expériences, vos partages d'expériences, votre temps dans cette table ronde. Merci Vanessa, merci Lucas. Merci pour l'invite. Merci à vous. Merci beaucoup.